8h30 sur LCI. L'invité ce matin, c'est Bernard Guetta. Bonjour. Bonjour à vous. Député européen, Renew, Renaissance, également auteur de la nation européenne. On parlera d'Europe dans un instant. D'abord, bien sûr, l'actualité au proche orient. Avec cette trêve entre Israël et Gaza qui a débuté officiellement ce matin à 6h, elle doit permettre la libération de 13 otages cet après-midi. Des tirs ont étaient enregistrés ce matin. On va rester très prudent sur les circonstances et on va devoir suivre l'évolution de la situation tout au long de la journée. Si cette libération se confirme, mmh. si ces 13 otages sont bien libérés cet après-midi, euh, cela suffira-t-il à pouvoir pousser un ouf de soulagement de votre point de vue Non, ce serait prématuré malheureusement, mais ces 13 otages libérés, enfin qui doivent être libérés cet après-midi, seraient une première tranche d'un paquet de 50. Mais de 50 sur plus quand même de 200 au On dit 230, 240, les chiffres varient à chaque fois. Vous savez pourquoi les chiffres varient à chaque fois, malheureusement Parce qu'il y a des morts entre-temps. Parce qu'il y a des morts et des incertitudes. On ne sait pas. Est-ce qu'il est mort Est-ce qu'il n'est pas mort Est-ce qu'il a disparu Est-ce qu'il n'a pas disparu La comptabilité est macabre. La comptabilité est insupportable. Et nous en parlons, vous et moi, sur un plateau de télévision à Paris. Vous imaginez les familles, les parents, les enfants, etc. – pour certains voilà. d'entre elles. Bien à quoi sûr. tiendra, à votre avis, euh, la capacité à aller jusqu'à ces 200 ou plus de 200 libérations d'otages 13 aujourd'hui, 50 on l'espère dans les jours à venir, si tout se passe bien il en restera beaucoup d'autres. Écoutez, imaginons que, effectivement, tout se passe bien, que qu'on arrive au bout de cet accord, et que les 50 otages soient libérés, mais à ce moment-là, euh, l'espoir la... pour le Hamas sera de dire aux Israéliens, ou de faire dire aux Israéliens, puis ce n'est pas de négociation directe, naturellement, de faire dire aux Israéliens bah, écoutez, prolongeons la trêve, enfin, prolonger la trêve, et je libérerai plus d'otages. Et à ce moment-là, le gouvernement israélien se trouvera dans une situation très compliquée, politiquement, psychologiquement, humainement parlant. Parce que s'il dit, ben écoutez, d'accord, je prolonge, euh, je prolonge la trêve, ben à ce moment-là, le gouvernement israélien met le doigt inévitablement dans ce qu'il ne veut pas. C'est-à-dire c'est plus compliqué encore que le cessez-le-feu. C'est l'arrêt de la guerre. Et auquel cas, le Hamas a gagné. Enfin, le Hamas a gagné partiellement. Partiellement, mais largement. Ou bien le gouvernement israélien refuse. Et vous vous dites... alors, premièrement, il se donne le mauvais rôle sur la scène internationale. Mais plus grave encore pour lui, évidemment, que les familles d'otages lui tombe dessus à bras raccourcis alors il y a en ans... très forte pression Exactement. intérieure en Israël bon. et donc il faut voir les choses en face en ce moment le Hamas est en train de marquer des points alors Heureusement qu'il y a des libérations d'otages, il faut les souhaiter ardemment. Heureusement qu'il y a une trêve, il faut la souhaiter ardemment, mais si on analyse froidement le résultat de cette évolution en ce moment, bien en ce moment le Hamas est en train de marquer des points. L'annonce de l'accord sur la libération des otages a été faite par le Qatar. Oui. C'est le Qatar, vous, vous rappelez, c'est pas oui. le Hamas qui négocie directement, il y a des intermédiaires dont le Qatar. Est-ce que c'est aujourd'hui une puissance incontournable Est-ce que sur la libération des otages D'otages français peut-être, espère-t-on un jour, nous sommes dépendants du Qatar. Oui, d'abord nous sommes dépendants du Qatar pour ses exportations de gaz, euh, mais nous, nous et beaucoup de pays euh, à travers le monde. Et deuxièmement, le Qatar, vous savez, c'est vraiment un mouchoir de poche. C'est une population autochtone, j'entends, je crois, de moins de 100 000 personnes. Petit territoire, grande influence. Mais grande influence, vous savez pourquoi Parce que c'est un pays, c'est un tout petit territoire, et ce tout petit territoire ne peut survivre, et la famille régnante princière de ce tout petit territoire ne peut survivre et continuer à s'enrichir par millions à chaque minute ou à peu près. Euh, vous comprenez ce que je veux dire par les exportations de gaz. Eh bien, ne peut survivre qu'en ménageant tout le monde en même temps. Le Qatar. A de bonnes relations avec l'Iran. Le Qatar a d'excellentes relations avec les États-Unis, puisqu'il abrite une base américaine euh, sur son territoire. Le Qatar a eu de mauvaises relations à un moment avec les autres pays arabes du Golfe, mais maintenant, les... il a. Hein? Le Qatar, ce matin, je viens de le voir à l'instant sur votre écran, le Qatar s'est attiré les. Compliment des Israéliens, ce qui est absolument incroyable, alors que le Qatar abrite sur son territoire la direction politique du Hamas, et donc le Qatar a en même temps de bonnes relations avec le Hamas. Est-ce que ça veut dire aussi, Bernard Guetta, qu'il a cette capacité On a parlé parfois de, de soft power, d'influence, peut-être d'ingérence un jour, mais à agir sans que l'on ne mesure réellement ses intentions cachées, ses dessins, sa capacité à s'infiltrer, à ah prendre position. Vous savez rien. Alors là véritablement, il n'y a pas de dessin caché du Qatar. Le seul dessin caché, non pas du Qatar mais de la famille royale régnante, c'est de survivre et de continuer à s'enrichir. C'est tout. C'est une extrême simplicité. Et pour survivre et continuer à s'enrichir, ma ben faut être. Quand on est si petit, à la fois si immensément riche et si profondément faible. Eh bien, il faut être bien avec tout le monde. On va revenir en Europe. Bernard Guetta, je parlais de votre ouvrage La Nation Européenne. Il se trouve que cette Europe, elle est décidément secouée à nouveau cette semaine par une mm -hmm. victoire de l'extrême droite, cette fois aux au Pays-Bas, avec le parti de Gerd Wilders, qui a emporté 37 des 150 sièges de la Chambre basse du Parlement. Dans son programme, Gerd Wilders a promis un référendum sur l'appartenance des Pays-Bas à l'Union Européenne. Il défend le Nexit, copié sur le mot Brexit. Est-ce qu'il y a là un vrai risque de votre point de vue vu de voir ces Pays-Bas quitter l'Union Européenne ?– Non, absolument pas, absolument pas. J'entends, je, je lis partout, euh, euh, ah, euh, les Pays-Bas viennent de voter contre l'Unité contre Européenne et contre l'Union Européenne. Écoutez, pardon comme vous venez de le dire, 37 sièges sur 150. Alors, vous en avez 37 de 150 et tout le reste a voté pour l'appartenance à l'Union européenne. Alors, il faut, faut, faut pas voir comme ça euh, euh, le, le mauvais côté des choses. Il faut voir le bon côté des choses. Le bon côté des choses, c'est une écrasante majorité en faveur non seulement du maintien dans l'Union européenne, mais du développement euh, de, de, de cette unité européenne. Mais, il n'en reste pas moins que ce parti de Gardwilders est sorti premier parti. Et ça va peser pour le alors, très nettement. Et donc ça va peser sur euh, non pas la composition du gouvernement, euh, enfin, non, pas tant sur la composition du gouvernement que sur l'atmosphère politique aux Pays-Bas. Or, les Pays-Bas, ben évidemment, c'est un membre fondateur de l'Union européenne qu'on appelait les communautés européennes au moment euh, du, du démarrage. Euh, ben, c'est un signe et c'est un signe préoccupant. Sur les répercussions, vous, vous êtes souvent optimiste pour ce qui a trait à l'avenir de l'Europe, de l'Union européenne, de la construction non, européenne Non, non, pardonnez-moi, je ne suis pas optimiste, je oh, suis réaliste. Positif alors je suis positif si vous voulez, pourquoi serais-je négatif Oui, voilà, je vous entends rarement être sombre. Il euh, y a aussi des conséquences sur les actions de l'Union Européenne. Les Pays-Bas, vous l'avez rappelé, c'est un fondateur. Mmh. C'est aussi l'un des pays qui euh, était en pointe ces derniers mois sur l'armement pour l'Ukraine, oui. sur la question des F-16. Euh, Gerd Wilders a dit qu'il s'opposait à la livraison d'armes à l'Ukraine. Il n'a pas caché des sympathies avec euh, Vladimir Poutine. Qu'il qu a, a tempéré récemment, mais enfin oui. bon, mais quand même, oui, Il vous avez raison. Euh, oui, oui, mais vous avez raison. Vous avez, raison. Que, vous avez raison. Oui, oui. Est-ce qu'on n'a quand même pas des raisons de s'inquiéter sur ce que peut devenir le soutien néerlandais à l'Ukraine et par conséquent le soutien européen ?– Mais écoutez, on aurait des raisons de s'inquiéter si M. Gerd devait devenir Premier ministre et diriger une coalition gouvernementale. Apparemment, ça n'est vraiment pas le cas, parce qu'il n'y a pas d'autres partis, ça peut évoluer. Enfin, ce matin, il n'y a pas d'autres partis qui veuillent s'allier avec lui et encore moins s'allier avec lui dans une coalition qu'il dirigerait. Donc, votre analyse ou votre pari, euh, même si le mot est entre guillemets aujourd'hui, c'est que malgré sa capacité à être arrivé en tête, ce n'est pas lui qui exercera le pouvoir demain, faute d'alliés A priori pas. A priori pas. Mais encore une fois, les choses peuvent évoluer. Mais on ne les voit pas évoluer dans cette direction, non. Je termine juste sur la question de l'Ukraine et on va continuer sur l'Europe. Euh, je disais tout à l'heure, dans un clin d'œil, vous êtes optimiste ou positif. Quand même, si je comprends bien votre lecture de la situation, euh, elle est de dire que l'Ukraine n'a pas perdu la guerre, que l'Ukraine n'est pas sur le point de s'effondrer face à la Russie, contrairement à certaines analyses que l'on entend. Oui, je suis très 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 étonné de lire et d'entendre effectivement des analyses disant que parce que, ce qui est un fait. Euh, euh, L'Ukraine euh, euh, n'a pas réussi à enfoncer les lignes de défense russes pendant l'été, l'Ukraine aurait d'ores et déjà perdu la guerre. Non, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas même perdu une bataille, ils n'ont pas remporté une bataille. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas remporté une bataille, ce qui est un fait dramatique, évidemment, ce qui est un fait dramatique. Mais ce n'est pas à cause de cela qu'on peut dire que l'Ukraine aurait perdu la guerre d'ores et déjà. Vous savez, il euh, y a une raison euh, qui pourrait euh, amener l'Ukraine à une vraie défaite. C'est que les pays occidentaux euh, arrêtent ou, ou simplement freinent significativement leur livraison d'armes à l'Ukraine. Parce qu'à ce moment-là, l'Ukraine ne peut plus se défendre. Il faut voir les choses en face. L'Ukraine a des soldats et euh, une armée absolument héroïque, C'est absolument stupéfiant. On a donc une responsabilité, nous, par notre et engagement et notre C'est très exactement. C'est très exactement. Ce n'est pas l'Ukraine qui peut perdre ou gagner la guerre, c'est nous par notre attitude. Mais il y a les Pays-Bas, il y a quelques semaines la Slovaquie, où oui. des partis y compris populistes pro-russes euh, ont remporté les élections ou fait bon score aux élections. est-ce que ces deux destins ne de sont pas liés? le sort de l'ukraine, le sort de l'europe et ce qui semble être une vague populiste qui pointe le bout de son nez ou une vaguelette à défaut d'une vague? Mais non, y a non, quand non, un non, mouvement. non, c'est une vague je ne dirais pas euh, populiste d'extrême droite. il y a une vague d'extrême droite. Vous, vous avez raison. mais d'un autre côté, regardons ce qui vient de se passer en pologne. La droite et l'extrême, enfin une droite dure, alliée à une extrême droite, ont, ont été défaites, vraiment défaites, par un centre-droit, centre-gauche, démocratie chrétienne et gauche. Bon, c'est un bloc. Euh, en Espagne, tout le monde prédisait euh, la victoire euh, d'une alliance, en fait, entre l'extrême droite de Vox et la droite classique parlementaire euh, du, du Parti populaire. Ben, ce n'est pas ce qui s'est passé non plus. Donc, il faut voir... Euh, il y a deux tendances en ce moment en vérité en Europe. C'est vrai qu'il y a malheureusement à mes yeux une affirmation très forte, très forte des extrêmes droites qui grosso modo à la louche sont à 30 quelque chose comme ça. Un peu moins dans certains pays, un tout petit peu plus dans mais grosso modo à 30 mais il reste 70 de nos pays qui ne sont pas d'extrême droite. en vérité, moi je crois que la conclusion à tirer de cela, c'est qu'il y a une évolution très profonde de nos échiquiers politiques. Nos échiquiers politiques, depuis la fin de la guerre, c'était grosso modo une social-démocratie et une démocratie chrétienne qui était le gaullisme en France. Mais enfin bon, c'était une droite et une gauche absolument classique et une alternance. Bien, aujourd'hui, il y a une résurgence des extrêmes-droites qui n'existait plus depuis la fin de la guerre, mais qui avait existé et très fortement, évidemment, avant la Deuxième Guerre mondiale. – On est un exemple. – Bien naturelle. sûr, bien sûr, qui avait existé avant. Bon, les extrêmes-droites resurgissent aujourd'hui et mon sentiment à moi, c'est que nous devrions avoir en Europe, mais ce sera très difficile, une évolution de nos échiquiers qui permette que nous ayons, comme aux États-Unis, en face de cette extrême droite, un grand parti démocrate qui irait du centre droit à la social-démocratie et même à certaines gauches utopistes. Mais Bernard Guetta, au sein même du camp pro-européen, au sein oui. même de ce camp démocrate, il y a des voix aujourd'hui qui disent. En substance, euh, nous devons infléchir notre attitude et notre politique si nous ne voulons pas que cette extrême droite arrive. Euh, Raphaël Glucksmann, hier, euh, disait, qui est donc euh, oui. député européen, disait, oui. on a tout raté. Mais on a tout raté, il s'inclut dedans, il parle des pro-européens. Il y a certaines voix qui disent, sur l'immigration, nous devons prendre un virage bien plus radical parce que ce que nous faisons aujourd'hui ne suffit pas et prépare l'arrivée au pouvoir, aux responsabilités de cette extrême droite. Mais bien sûr qu'il faut, euh, comme on dit... Euh Proposer des politiques et avoir des résultats, mais sur l'immigration et sur bien d'autres questions, sur la question par exemple de l'inégalité qui s'approfondit des revenus, c'est-à-dire de l'injustice sociale, évidemment. Mais pas d'abord sur... l'immigration, est-ce que ce n'est pas d'abord le sujet qui aujourd'hui est le carburant pour ces extrêmes droites que vous? Écoutez, avez fait, hein oui, mais pourquoi est-ce que c'est le carburant? Parce qu'il y a un malaise social profond. Euh... Aujourd'hui, les gens, enfin, beaucoup de gens en tout cas, euh, s'inquiètent euh, de l'immigration parce qu'ils s'inquiètent de l'affaiblissement de leur propre situation sociale. Et donc, ils voient dans l'immigration euh, la menace. L'immigration peut être parfois, souvent, euh, un problème, mais elle n'est pas toujours l'explication. Du malaise social. Pourquoi est-ce qu'il y a une désertification des campagnes, pas seulement en France, en vérité dans le monde entier. Enfin, dans le monde entier, développé, j'entends, parce que on a privilégié un mode de développement, parce qu'on a privilégié aux États-Unis comme dans tous les pays d'Europe les services sur l'industrie, en se disant que finalement, voilà, la Chine va devenir l'usine du monde et que les prix seront bas. Enfin, vous connaissez tout le raisonnement. Ce raisonnement a mené à une catastrophe. Mais ce raisonnement a été un raisonnement commun de tous nos pays et pas seulement européens. Ça a été une... Dans les facteurs d'explication que vous venez de lister, mmh. lequel vous retenez pour ce qui se prépare en France Quand on regarde les enquêtes d'opinion, bien sûr, ce sont des photos à l'instant T, en vue des prochaines européennes qui auront lieu le 9 juin. Le Rassemblement national emmené par Jordan Bardella est très largement en tête. On va dire ah, que absolument. sur les enquêtes d'opinion, il tangente les 30%, 28%, par exemple, sur l'IFOP il y a quelques jours, quand la majorité présidentielle que vous représentez mmh. sur la liste de laquelle vous avez été élu en 2019 est à peine à 20%. C'est un écart très net. À quoi oui. ça tient Écoutez, moi je dirais principalement, mais pas seulement en France, partout, euh, à l'affaiblissement des gauches et des droites traditionnelles. On ne sait plus et on a des raisons de ne plus savoir ce que c'est que la gauche. On ne sait plus et on a des raisons de ne plus savoir ce que c'est la droite. Ça, ça pourrait expliquer les scores de LR, du PS, par exemple, parti de droite, parti de gauche. Pour oui. Vous, pour vous, la majorité présidentielle. Mais parce que, l'autre, l'autre ou les deux. Parce que vous venez de le dire, parce que aujourd'hui, la majorité présidentielle et le macronisme, d'une manière générale, est perçu comme une synthèse de deux, euh, oui, comme une synthèse de deux forces qu'on n'identifie plus. Et il euh, y a un recul, et pour ce qui est de la gauche et de la droite, un effondrement, mais un recul pour la macronie, pour la majorité présidentielle, évidemment, parce que on ne voit plus les solutions qu euh, qu que ces forces peuvent apporter. Il n'y a pas de message propre à la Macronie aujourd'hui qui permettrait de justifier de voter pour elle, c'est ce que vous nous dites. Ah oh, si, complètement. Il y a un message... Regardez, on va avoir des élections européennes. Mmh. La majorité présidentielle dit, disait déjà avant les, les précédentes élections européennes, attention, nous avons besoin d'une Europe forte. Et Emmanuel Macron avait ouvert la voie en parlant d'autonomie stratégique, en parlant de la nécessité d'une défense urbaine. Qu'est-ce qu'on a vu depuis On a vu l'affirmation de Trump, on en a vu une pandémie réapparaître, on a vu une agression de M. Poutine contre l'Ukraine, et à chaque fois, tout le monde... A réalisé, tout le monde a réalisé, qu'il nous fallait renforcer l'unité européenne pour faire face à ces défis. Je vous en donne un seul exemple. S'il n'y avait pas eu l'unité européenne pour acheter en commun les vaccins et négocier avec les laboratoires, vous croyez qu'on aurait pu lutter contre cette pandémie Mais, en Europe comme et on l'a fait Et pourtant, Bernard Guetta, sur des sujets aussi essentiels que ceux que vous venez de lister, sur une campagne européenne qui a débuté, je mets guillemets à dénaître, mais à débuté, parce qu'on sait que c'est une campagne qui se fait de manière très tardive, mais certains partis ont déjà désigné leur tête de liste. Oui. Renaissance, la majorité présidentielle, non seulement n'ont pas désigné leur tête de liste, mais en plus, accumulent les refus. Bruno Le Maire a dit publiquement, je ne souhaite pas être tête de liste. La Première ministre a dit publiquement, je ne souhaite pas être tête de liste. Comment se fait-il que dans une famille si pro-européenne, les refus de candidature se multiplient plutôt que les souhaits de candidature les, euh, les refus de candidature d'un mmh. homme qui est ministre de l'économie et des finances et d'une dame qui est première ministre. Ils sont bah, mais non, mais attendez, il n'aurait mais mais aucune raison de se présenter sauf s'ils si abandonnaient leur poste, ce qui n'est pas le sauf cas. Je si considère que le combat européen est euh, le combat non, le plus mais important. Mais attendez, il, il y, y aura d'autres candidats. Il y en a déjà un qui s'est déclaré hier qui est Stéphane Séjour. Cé oui, il dit Et... par définition j'ai envie. On a vu plus enthousiaste dans la manière d'exprimer une envie. Écoutez, non, il le fait prudemment, courtoisement, oui. mais je crois qu'il le fait avec euh, une volonté oui. d'y aller. Une, une envie qui est quand même très. très bon, vous le percevez comme ça ou Ah oui, absolument. Oui, oui, tout à fait. Je, bon, je, vous m'étonnez. Je ne suis pas tout à fait sûr que ça sente un enthousiasme démesuré, débridé. écoutez, bon, écoutez, bah, écoutez je. Je ne suis pas si sûr que vous, mais de toute manière, il y aurait il y aura bien d'autres candidats possibles. Est-ce que vous-même, petite personne, vous serez à nouveau sur la liste pour cette Oui. Enfin, attendez, attendez, si on m'y met, ben, je suis candidat à la candidature, oui. Vous pouvez aussi, euh, comme d'autres personnes de la société civile, euh, faire les frais des accords politiques. C'est-à-dire euh, oui. qu'on se dise qu'il faut des places pour Horizon, il faut des places pour oui. UDI. Oui, absolument. C'est bien pour ça que je vous dis je suis candidat à la candidature. Pour le reste, je ne sais pas. Euh, un dernier mot avec votre regard européen. Ces derniers jours, on a entendu parler d'ensauvagement dans la bouche de Gérald Darmanin, de décivilisation dans la bouche d'Emmanuel Macron, de barbarie ordinaire dans celle de Jordan Bardella, à la suite de la mort de Thomas le week-end dernier en marge d'une soirée dans la Drôme. Euh, la crainte que la sécurité soit un sujet est très forte chez nos concitoyens. Oui. Est-ce que c'est le cas de votre point de vue ailleurs en Europe ou est-ce une spécificité française Non, je, malheureusement, ce n'est pas une spécificité française. Euh, regardez ce qui vient de se passer en Irlande hier ou avant-hier, je à ne sais Dublin. plus. Oui, à Dublin. Non, 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 ce n'est pas une spécificité française. Vous savez, on a dans nos sociétés un grand problème, c'est que nous avions Hier, enfin hier, euh, il y a plusieurs décennies, une morale très forte, peut-être hypocrite, enfin souvent hypocrite d'ailleurs, euh, peut-être incohérente, souvent incohérente, celle de l'Église ou des Églises. Les Églises se sont effondrées. Les Églises se sont effondrées, pas seulement l'Église catholique. Nous n'avons pas su, nos sociétés, hein, généralement parlant, n'ont hein, pas su recréer une morale. Et il y a un grave, grave problème. Nous n'avons plus de morale. L'appel à la morale de Bernard Guetta, merci oui, beaucoup. Oui.